On va se dire tout à l'heure, on dit, mon qui t'a envoyé, ça n'a pas dit sur nous-mêmes, t'as bien des mains cachées, des sacs passés le week-end là, c'est pas seulement les revendications qui liées avec ajustement pour le gaz là, qui t'a la cause à nos vieux, non? Serge Nyon Lendor, pour tout le monde qui a écouté radio, qui a suivi le jour aujourd'hui, il y a des gens qui battent bravo avec deux plamés, avec deux pieds pour s'arriver, et des gens qui ont encouragé. Zak pillage, Zak ça y passé dans votre prince là. Par quelle fin? C'est justement la question pour nous poser journée aujourd'hui. Si nous sautons que Zak brigandage, pillage, boule business, boule machine citoyen qui redit en pile là-dedans, c'est travail au travail. C'est pendant 5-10 ans, ils ont économisé pour faire un petit business, pour acheter une machine. Et puis, ou même, moi, je viens nous craser et il y a des gens qui applaudissent, qui encouragent dans ce sens-là. Posez-vous cette question. Est-ce que c'est comme ça ou à priver, créer conditions pour la vie ou changer? Et tout le monde qui, je dis, a invité au chaos, c'est le monde qui ne parlait ouais, on demain meilleur pour vous. Parce que chaos avec développement, il n'y a pas fait même route. Chaos avec amélioration conditions vie. Yo pa ka dormi nan même cabane. Lò prend route chaos ou prend route pour que li fait noir la journée pour la nuit. Et je dis à nous pas quoi que peuple haïtien prêt pour retourner dans schéma ça encore. Et c'est une occasion à soir pour la présidence, pour le gouvernement, pour dire tout citoyen haïtien, ressaisissez-vous, ressaisissez-nous, parce que nous sommes gros peuple. Nous sommes peuple qui a dignité, qui a courage. Et je vous dis, on peut vaincre pour un peuple haïtien. Ce n'est pas dans piller les bagailles. Ce n'est pas dans bouler bien les gens pour arriver à sortir tête dans sa lier. Travail construction de main, c'est pour y être nous pour nous marcher. C'est dans stabilité politique parce que la situation à vivre est extrêmement difficile. Le président de la République là, prend courage à demain. Il dit nous, c'est travail pour nous travailler. Je dis, ce n'est pas normal. Nous ne sommes pas d'accord sur un paquet de bagailles, mais il y a des bagailles nous obligés d'accord sur nous. Nécessité pour que nous ayons courant 24 sur 24. Nécessité pour que le pays s'arrête stable pour investisseurs viennent investir là-dedans, pour créer des jobs, pour faire du travail. En fait. Nécessité pour que gagne route dans le pays. Nécessité pour que les gens à l'école. Nécessité pour que les policiers gagnent plus bon moyen pour le travail. Nécessité pour nous remembrer l'environnement, remembrer l'agriculture, pour nous un pays côté que ce n'est pas exporter, ce n'est pas importer, nous importer tout le bagage, mais nous produire la caille nous, pour nous suspendre l'agression qui est sous monnaie locale, pour nous remembrer nous, nous obliger à entendre nous sous ça, c'est ça qui est des impériums. Et je veux dire, quel que soit le monde qui dit pour travailler dans le sens objectif ça, pour travailler dans le sens contraire à l'objectif ça, le monde ça n'a pas aimé et le monde ça n'a pas aimé Haïti. Est-ce que le gouvernement n'est pas dépassé, Lucien Jura? Le gouvernement a été très secoué. Le gouvernement a été très secoué. Mais pour tout le monde qui, je veux dire, a une possibilité sorti dans la rue pour regarder, qui t'a assisté à la désolation des rues, il a retourné la caillou avec un brin d'espoir. Un brin d'espoir parce que la vie timidement a commencé à reprendre. À partir de l'instruction que chef l'État, chef gouvernement, il a passé au plus haut niveau. Il a gagné une présence policière quand même, c'est beaucoup ça le tadoué, mais plus considérable que vendredi et samedi. Mais c'est quand même une explication de la police sur ça passé. Je pense que le directeur général de la police nationale, là, c'est lui-même qui peut-être a une meilleure explication pour être capable de fournir à la population en journée, je veux dire, dans la mesure où la mission est une mission permanente que liée pour protéger les vies et pour sécuriser bien les citoyens. Et je dis, on t'a dit que les gens qui étaient sortis, ils ont reprise des activités dans certains axes de la capitale, reprise timide, on dira, mais reprise quand même. Et toute disposition reprend, je dis, que ce soit à travers travaux publics, que ce soit à travers CNE, SMCRS et tous les organes qui compétent dans l'État, et voirie, municipalité, tout pour que la rue débloyée.
pour que moun yo commence à vaquer à l'occupation yo et instruction passer pour que autorité yo justement yo même yo capable permettre que ces images on a gardé là yo capable permettre que activité reprendre et progressivement dans capitale là pour que très bientôt nous tourner le dos à situation extrêmement difficile ça qui vraiment pas fait fierté peuple haïtien. Nous pensons que pour ça nous gagnons comme passé glorieux en tant que peuple, nous capables d'offrir un bien meilleur spectacle aux yeux du monde entier que ça nous offrit ces 48 dernières heures. Parfait. Là maintenant, il y a une parole qui t'a parlé, parce que nous se trouvons à l'heure, est-ce que le gouvernement n'a pas dépassé, est-ce que le gouvernement a toujours bien contrôle situation, il y a même parole qui parlait son éventuelle démission du chef du gouvernement. Et bon, on savait qui est sous table là. Alors, il faut que nous disions, peuple haïtien, leur nom mode situation de trouble, ça, nous n'avons pas besoin de peur. Et les Japonais, les là, troubles sociaux, ça, c'est des moments qui prêtent le flanc à toutes sortes de rumeurs également. Mais c'est l'occasion, encore une fois, pour nous dire que toute décision qui concernait le pouvoir central, l'administration Moïse Lafontaine, gagnait des voies officielles de communication, que ce soit à travers des communiqués de presse, que ce soit à travers des voies autorisées du gouvernement, et bien de la présidence, pour que yo informe la population. Est-ce que gen on démission du chef du gouvernement? Non. Côté n'a pas parlé là. Mais gen moun tout kap mande, monsieur Jura, est-ce que la situation a pris comme ça, etc. N'a dit que le président de la République, là, son excellent Jovenel Moïse, il dit à plusieurs reprises, l'œil t'a accepté gros charge ça, gros mission ça, qu'on t'a confié au même peuple haïtien, il t'a accepté avec tout ça demandé comme sacrifice. Sacrifice au niveau personnel, sacrifice au niveau institutionnel. Et je dis, si c'est Lucien Jura, par exemple, qui t'a pas dans la position liée pour que l'administration Moïse Lafontaine marche plus bien dans le sens revendication et satisfaction, revendication populaire, yo, bon, garantie que le chef d'État n'a pas hésité à aucun moment de la durée pour qu'il prenne telle décision qui s'impose, parce que l'œil t'a accepté de diriger le pays, il n'a pas accepté de diriger pour te faire tête de plaisir, pour faire un mille plaisir ou bien un groupe de plaisir, il t'a accepté mission ça dans le sens intérêt commun et intérêt général. Et toute décision que le chef d'État a gagné pour le prendre, c'est toujours au regard de l'intérêt collectif, au regard de la stabilité politique, au regard du développement national, au regard de l'amélioration des conditions de vie du peuple haïtien et leur gain pour prendre. Pour le taper en décision, non sans oublier l'autre, eh bien, le pape Baïtetli, aucune limite pour le prendre meilleure décision dans le sens du peuple haïtien. Ça t'avait dit, c'est dans l'ordre des choses possibles, M. Jura. Nous sommes en politique, M. Serge Nolendor. Tout est possible. Tout est possible. Mais pendant que je dis tout est possible, moi, je dis, dans l'univers des possibles, n'a pas considéré possibilité qui, eux-mêmes, a permettre que aspiration peuple haïtien, administration président Jovenel Moïse a dirigé, il a atteint plus bien. Pour la stabilité politique, pour le développement, pour l'amélioration des conditions de vie du peuple haïtien, eh bien, chef l'État a pris toute disposition que l'État va juger qui est nécessaire pour que les capables porter la paix dans les foyers haïtiens, pour capable porter sécurité dans les foyers haïtiens, pour porter la vie meilleure chaque haïtien et permettre pourquoi pas haïtien qui dehors envie tourner la caille, pour permettre investisseurs qui à l'étranger viennent investir dans le pays et puis pour conforter investisseurs qui vivent dans le pays. Bon, téléspectateurs qui suivent là qui fait état de victimes yo, qui perd du bien yo. Et pendant deux derniers jours ça yo qui s'accable diak yo, on somme de moun tout qui travaille, nous dit à la qui parle de job encore, parce que vous pillez les magasins, vous voulez les spatiaux et l'école c'est 3 septembre. Alors, et là, on fait toucher un problème que nous avons posé tout à l'heure. L'on citoyen, par exemple, ou levé pendant que gagne une revendication, ou quand même, t'as dit, populaire qui gagne des explications solides à sa base, population dit bon, augmentation prix gaz là, il va y avoir trop impact sur moi. Je ne suis pas d'accord avec le président Jovenel Moïse, avec toute l'administration là. Et le président dit,
peuple haïtien, ou pas la même, pour te bon mandat pour me diriger ou bien, moi écouter ou même à ton tour, m'inviter ou rentrer la caillou, moi corriger, ça pas de fort plaisir, nous allons prendre toute disposition pour que la vie normale retourne et nous, population, commencer à marcher dans la logique chef l'État, c'est bien. Mais l'homme, on rentre, ou boule bien, ou pillé bien, ou justement, vient mettre pays à. Dans la situation que Serginho Lendor s'est posé là, ou causer l'ensemble du corps social en quantité tort et au pays dans son entièreté. Maintenant, pour les gens qui sont victimes, bien, c'est tout d'abord le principe élémentaire là, il faut porter plainte, il faut être capable de gagner un inventaire à partir de plaintes qui portent, et c'est après que, si vous voulez, évaluation et disposition peut certainement gagner pour y prendre. Maintenant, il y a des gens qui sont victimes, il y a des gens qui mourent. Et c'est l'occasion pour nous présenter sympathie nous à eux-mêmes. Et nous pensons que, quel que soit le socle de revendication, comment nous sommes capables de gagner, il n'est pas justifié pour retirer la vie aux frères ou aux sœurs. Et l'administration Moïse Lafontaine profiter dans l'occasion ça pour lui voir sympathie à toutes victimes, les gens qui perdent la vie, les gens qui sont cabane de l'hôpital, les gens qui prennent balle, en pile cas où là t'es comme ça, les gens qui perdent machine. Et c'est pas véritablement ça que le président Jovenel Moïse a travaillé pour arriver dans le pays. Mais malheureusement, pour Andrew, il y a quelque part aussi les apôtres du chaos. Parce que il y a des gens qui non seulement content ça que fait là, qui applaudit ça que fait là, mais qui encouragé pour que nous allions plus loin dans la voie ténébreuse, dans le chemin fait noir. Nous avons dit, peuple haïtien, chemin ça, pas chemin qui mène vers le développement. Ce n'est pas comme ça qu'on va priver, développer le pays. Et surtout, ce n'est pas comme ça qu'on va priver, améliorer les conditions de la vie. Je dis, c'est jour pour nous poser, pour nous travailler, main dans la main, dans la tête ensemble, dans l'unité. C'est la seule façon pour nous arriver à retirer le pays. Dans le Carrefour, difficile à traverser là. Faut préciser, Lucien Jura, et pendant l'après-midi, au niveau commune Carrefour, nous pas là, président et Fénamnec, c'est Maïssa Carrefour, en juge de Pierre, qui te fait nous connaître les dispositions qui prend pour nettoyer la commune. Il faut que tout Carrefour pas gagné des scènes de pillage qui enregistrées pendant les deux derniers journées. Donc, pour Delma, et gagner tout travaux publics, transport, communication qui est dans la rue, qui a fait plus d'efforts pour permettre que la circulation est capable de retourner. Jean avant et Delman, sur trois images tout à l'heure là, au niveau Publin, oui, Publin, et vers tout à soi là. Hein? Tout à soi, tout le monde qui peut. Il y a des gens qui ont regardé la plaine, qui dit, il semble oublier la plaine dans la disposition sérieuse, Lucien Jura. Non, et la plaine, pas oublier, ça pour téléspectateurs, auditeurs qu'on est, son bagage gigantesque, c'est presque un cyclone, si vous voulez, qui passe sous pays là. Ou qu'on, dès que la question de détruire, de craser, briser, c'est en quelques heures. Mais, totalement des propriétés, magasins boulés, magasins au pied, combien de temps ont été fait pour y arriver à mettre l'entreprise sous pied? Totalement des gens qui perdent des machines, combien de sacrifices ont fait pour y acheter des machines? En plus, là, certainement, pour qu'on finisse payer, il y a des quantités. Donc, construction, toujours difficile, il demande du temps. Alors que destruction, c'est bagarre qui est plus facile là. Donc, journée aujourd'hui, par rapport à ce qui passé, l'État obligé d'intervenir de partout et dans une situation capable de crise, tout parce que ce n'est pas toute pompe gazoline qui est ouverte. Même là, il y a une volonté pour que de gros camions, SMCRS ou bien CNE ou encore les travaux publics, eux-mêmes voler et aller au secours de zones qui sont en difficulté, mais ils n'ont pas toujours les moyens. Et on a profité de saluer, par exemple, en municipalité Delma, Marissa Wilson jeudi, nous depuis le matin avec ta pied d'œuvre, nous avons tout un peu partout dans la commune Carrefour, dans cette ville là, un peu partout, grand pile effort comment c'est fait, et tout à soi pendant qu'on a parlé là, effort ça y a intensifié pour comment dès demain nous sommes capables d'aller vers plus d'amélioration de la situation pour que la vie normale lui reprenne, pour que Haïti tourne le dos à vraiment situation extrêmement difficile et nous sommes capables de dire. Et presque même honteuse que nous vivons aujourd'hui. Justement.
Exactement, c'est ça, mon cap gardé, capitaine de la invité en D, qui ça à disposition. Nous commençons en semaine, et bon, on peut monter au jour le jour, vivre. Tout à fait. Il faut que sorti pour capoter tout le jour dans le là, et pas qu'on est après la réalité ça, et il faut que continue à faire, si mon rentrer et faire activité, qui ça garantir le jour le jour dit. Qui sont bien comme données, bon côté autorité, la police, qui est capable de faire haïtien, capable de garder, capable de là, capable de reprendre confiance et qu'on est pendant ce moment capable de vaquer librement à l'activité au lycée. Président de la République, là, son excellent Jovenel Moïse, Jean Welty dit hier soir, là, par rapport à dernier développement situation dans le pays d'Haïti, parce que c'est pas au prince qui prend plus gros frappe là. Mais ce n'est pas seulement pour Port-au-Prince, parce qu'il y a pile l'autre région dans le pays. Nationalement, c'est très difficile. Très difficile. Mm-hmm. Toute instruction est passée à l'autorité, la police, CSPN, pour que vie et bien citoyen soient garantis, pour que la police lui-même y assume pleinement responsabilité et pour que l'autorité dans le niveau travaux publics, au niveau SMCRS, au niveau CNE et au niveau de certaines municipalités qui ont même besoin de bon genre de disposition de sécurité pour être capable de nettoyer la rue, hein, débloquer. Eh bien, principale revendication population a été gagnée, c'était ajustement prix produit pétrolier. Chef l'État, dans une logique de sagesse nationale et de sagesse politique, lui réagit rapidement par rapport à sa acte. Souvelé fondamentalement exprimé comme malaise et inconfort par rapport à augmentation ou ajustement prix produits pétroliers, journée jodian, message la présidence, c'est non seulement pour les autorités de l'État à travers la police nationale d'Haïti, à travers les organes de sécurité, la justice et la secrétaire d'État à la sécurité publique, le ministère de l'Intérieur. Dans ce qui concerne la sécurité, c'est tout à l'endroit des travaux publics, transports et communications, SMCRS, CNE, municipalités que vous accompagnez pour que la route soit déblayée, pour que la fumée noire qu'on a respirée, qui est très toxique, la route soit lavée, pour que la vie retourne rapidement. Ça, c'est le message, président, pour les organes de l'État concernés par la question et par rapport à la population, président de la République, là. L'État, administration Moïse Lafontaine, invite chaque citoyen pour rentrer dans yo, rentrer dans le calme, yo, rentrer dans la sérénité yo, et surtout pour yo recommencer à vaquer à l'occupation pendant que au niveau de l'État, toute disposition yo prend pour que bon gens de sécurité l'installer, pour que pompe gasoline recommence à l'ouvrir, pour que magasin recommence à fonctionner, pour que les gens qui ont pour le travail, il y a le travail au niveau de l'administration publique également, pour qu'au niveau du transport en commun et le transport privé, eh bien, citoyens capables de reprendre l'activité pour que la vie retourne pendant le gouvernement, ni même l'appliquer le 100% pour que rêve population haïtienne, rêve peuple haïtien pour vivre dans un pays qui est stable, un pays côté que chaque haïtien doit à la sécurité, à la santé et à amélioration des conditions de vie, et bien capable de rêver ça, de vivre une réalité. Parfait. Là maintenant, le président de la Chambre des députés à Gary Baudot, il a demandé une rencontre en urgence avec trois pouvoirs pour qui sont capables de sortir de la situation. Comment est-ce que vous pensez que c'est bien? C'est bien parce que le nous considérer l'État son tout. Et l'opre en Parlement, les co-dépositaires tout, de la souveraineté nationale. Ça qui a passé là, pas quoi que aucun citoyen qui a une responsabilité dans l'État ou capable, confortable par rapport à lui-même. Et scène de pillage de cassurier, de peu, il n'y a pas épargné le Parlement haïtien et des institutions publiques. Pour dire quoi, je dis, il faut gagner une coalition de toutes forces nations, notamment au plus haut niveau de l'État, parce que la stabilité politique, c'est vrai que c'est responsabilité, c'est-à-dire en premier pouvoir exécutif, là, mais les gagnants croissent tout sous dos
pouvoir législatif là et pouvoir judiciaire là tout, parce que ces trois piliers ça qui kembe et système démocratique n'a vive là dans debout. Et je dis que président chambre des députés ou président sénat ou encore le président du CSPJ yo même yo jugé bon président pouvoir judiciaire là rencontrer avec chef l'état pour que nous conjuguer efforts nous pour nous river vers stabilité et conditions que peuple haïtien attend de pouvoir que le confie à président Jovenel Moïse là. Nous pensons que c'est le bon ton et chef l'état qui toujours ouvert au dialogue. Nous pensons que avant même invitation président Garibodoa Bral était toujours ouvert pour parler, pour dialoguer, parce que c'est dans bon genre dialogue, dans la communication, dans la compréhension, dans la privée, dégager des perspectives sûres sur l'avenir. Mais il y a des voix de l'opposition qui même a pu encourager la mobilisation. Si tu as une mobilisation dans le pays, pour nous gagner plus courant, si tu as une mobilisation dans le pays, pour nous gagner de l'eau potable, si tu as une mobilisation dans le pays, pour nous gagner plus route, pour nous bailler infirmières, docteurs, résidents l'hôpital, nous, yo, plus moyens, policiers, yo, tout a dit que c'est de bonne guerre et c'est des mobilisations d'a supposé encourager. Mais si c'est mobilisation pour aller marcher dans le magasin, moi, pour piller, si c'est mobilisation pour aller marcher dans l'entreprise, pour bouler, pour craser, briser, pour craser vite machine, pour bouler machine, pour faire citoyens pas qu'à sortir la caillou pour faire fait noir régner la journée ou la nuit, n'a pas du peuple haïtien. Tout le monde qui a invité ou mobilisé dans ce sens, moun sa yo, c'est partisan chaos, c'est partisan ténèbres, c'est partisan fait noir, et moun sa yo, c'est ennemi démocratie, c'est ennemi développement, c'est ennemi au peuple haïtien. Jodi, route qui mène vers le développement, route qui mène vers amélioration conditions de vie, route qui pour mener petit ou non bonne éducation, qui pour faire rejoindre soin l'hôpital, qui pour faire rejoindre courant, qui pour faire rejoindre l'eau potable, pour faire rejoindre route, pour remembrer agriculture, pour résoudre problème au niveau environnement, qui pour créer conditions de sécurité, pour gagner plus de jobs qui créent dans le pays, route ça, c'est route stabilité politique, c'est route tête ensemble, c'est route concorde, c'est route main dans la main, c'est route travail dû. Parce que c'est pas dans piller bagay moun pour priver réaliser rêve la vie. C'est pour nous trousser pour nous pendant que l'État lui-même l'a créé conditions pour que nous arrivions produire. Donc, Serginho Lendor, on moun kap rele population, kap invite dans mobilisation pour aller tuer, pour aller couper, pour aller racher, pour aller bouler. Moun sa, il pas dans l'intérêt du pays d'Haïti et n'a pas de petit bagage peuple haïtien. Sou ou moun, c'est ça le bon comme conseil, un bon garanti. Moun sa, le bagage la gâté, il gon l'autre côté pour l'aller. Al gade bien pour eux. Petit moun sa pas en Haïti. Madame ni pas en Haïti et même moun sa, tout bien, tout c'est dans pays étranger, li on l'autre côté pour que le sa gâté pour ou, pour lui-même, il chapé pour lui parce qu'il y a 2, 3, 4 pays de rechange. Alors, ou même qui est seulement Haïti, ou a dit qui meilleure décision, qui est plus bon pour vous, avec pour petit tout, qui c'est là, sous bout de tête de Saline, Christophe Pétion, qui mourir, qui pour nous, pour que le projet fait vivre. Parfait. Bon, là, il y a Lucien Jurard, il porte-parole de la présidence, conseiller en communication, qui bah, garantit condition à créer pour que nous soyons capables de vaquer à l'occupation progressivement, parce que ça qui est passé est grave en pile sur toute l'étendue du territoire. Okay. Progressivement, nous, elle journée aujourd'hui, il y a des axes qui commencent à déblayer. Hier, avant hier, il y a des côtés qui n'ont pas de capacité du tout. Progressivement, la vie commence à reprendre et tout le travail à faire avec travaux publics, CNE, SMCRS, instructions formelles pour les autorités de la police pour prendre responsabilité, assumer responsabilité. Et responsabilité, c'est pour une responsabilité à temps provisoire liée, son responsabilité permanente de tous les instants pour que vous garantissez sécurité, vie et bien. Et dans ce sens, chef l'État, les clés, instructions passées aux autorités
autorités compétentes maintenant pour prendre responsabilité pendant que le peuple haïtien, le président républicain, le gouvernement invité, a une attitude responsable, une attitude citoyenne par rapport à pays ça, qui c'est pays où, parce que le pays d'Haïti a marché mal, c'est avenir qui hypothéqué, c'est avenir petit tout qui hypothéqué, d'où intérêt au gagné pour que pays ça a toujours été posé, il était stable, c'est plus gros garantie au gagné pour capable de vivre la donne en bien. Voilà, c'était avec Lucien Jura, nous tapé retourner sous actualité week-end. Et Lucien Jura m'a rappelé que c'est porte-parole de la présidence, conseiller tout la communication au niveau de la présidence. Merci en pile parce que vous êtes maintenant disponible pour nous. Et déjà, merci et bonne semaine. Nous remercions Serginho Lendor ainsi que tous fidèles téléspectateurs et auditeurs Radio et Télévision Nationale d'Haïti. On a souhaité en semaine qui est meilleure que deux jours nous sommes vivre là à peuple haïtien. Nous espérons que le calme a retourné dans toute foyer, dans les esprits, que l'autorité au pral prend responsabilité, au pral mettre les citoyens beaucoup plus en confiance pour que la vie en reprenne et nous capables de dire, même le tard, même le pour un pile monde très tard, mais beaucoup trop tard, pour que nous ressaisissions le peuple haïtien, nous sommes un grand peuple et au niveau de l'administration Moïse Lafontaine, chef de l'État a fait toute salle qu'on est pour que le pays a retourné sous rail, stabilité sociopolitique et quant à nous-mêmes, nous disons totale disponibilité au niveau de la présidence du gouvernement dans son entièreté pour tout ça qui a rapport à information, bon genre information, canal autorisé, yo là pour yo informer au peuple haïtien, pas quitter moun pour une provocation, ni dans rumeur, tribo pas bon, leur bon message pour chef d'État communiquer ou bien pour gouvernement communiquer, l'appel à travers les organes officiels du pouvoir ou encore les voies autorisées que moi-même avec une quantité l'autre personnalité qui vient dans le pouvoir nous représenter. Merci beaucoup. Voilà, merci tout le monde qui t'a suivi nous. N'a pas vu de rester branché. Radio Nationale, Télévision Nationale pour cette programmation.